on a un but, c'est que l'étoile de la réserve, entre guillemets, elle soit bien présente sur Paris et dans le monde entier. Et ça, c'est très important, se sentir en confiance dans une maison pour aller chercher l'excellence. Toujours dur de définir mon style. Les techniques, le produit, un gros travail sur les garnitures. Donc je suis une cuisine contemporaine, axée sur le produit avec une technique. Et après, j'aime toujours un peu d'acidité. J'en mets un peu pour relever, pour perturber un petit peu les goûts, pour amener quelque chose de différent. Mais sans regarder ce que font les autres, pour rester dans mon identité. On a le sarrasin. Ça fait partie de l'ADN. Ça reste accroché à des souvenirs. Là, on travaille sur le cidre, sur le sarrasin, sur l'acidité, le vinaigre. On a deux tubes où on retrouve à l'intérieur du sarrasin qu'on aura travaillé en friture, donc qu'on aura cuit, qu'on aura séché et frit. On retrouve dedans qui va donner le côté croustillant. On va retrouver une crème de sarrasin qu'on aura travaillé au siphon. Et on va servir ça avec au milieu une glace vanillée avec un petit crunchy de sarrasin dessus. Et au dernier moment, en salle, un mélange de cidre chaud et de pommeau. Donc c'est vraiment pour moi un souvenir d'enfance. On est vraiment dans le côté très prononcé du Finistère. L'objectif, il est fixé. Je suis arrivé dans ce projet avec 20 ans d'expérience étoilée derrière moi, quoi. 20 ans de 2 et 3 étoiles. Donc c'est sûr que quand je suis rentré, mon objectif, c'était tout de suite de rentrer tout de suite dans la grande cour. Je lâcherai rien. Donc tout le monde est prévenu en cuisine, tout le monde sait comment je fonctionne. Moi, je m'impose grosse rigueur à ce niveau-là. Je ferai tout pour y arriver, donc j'espère que... En tout cas, ce ne sera pas les moyens du propriétaire qui m'empêcheront, parce que là, ils sont là. C'est pas l'endroit, parce qu'il est là, la salle est là, le personnel de salle, il est là. Est-ce que j'ai le talent? Ça, c'est pas moi qui le décide, mais je ferai tout pour. We'll be right back.